De retour, on a un petit, j'ai un petit problème avec l'avant média qui a un petit crash. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a bleu et jaune? Ah bah oui, parce qu'il y a quelqu'un qui a dû mettre... brancher sa manette de Seymour. On va pas la débrancher. Tant pis, on va faire avec. Ouah, c'est parti si vite. Ah, c'est de la mêlée. 40 secondes, déjà une soc de prix, hein, ça va aller fort. Hein. Ah, les tipeurs de la mort. Oh, là. Belle maîtrise du perso. Lambo qui a une soc de retard actuellement, qui va peut-être la rattraper ça, mais peut-être qu'il la rattraper. 93%, ça va être compliqué pour Lambo. Oh non, le break shield! Ah, et oui, ça tue. Très beau break shield, le premier du stream. Chez qui a inauguré ça, bien joué à lui sur son neutral pays. Très très bon ça. On aime, on apprécie. Mais peut-être que Lambo. Oh non Lambo, que fais-tu? Oh putain, ça remonte, c'est incroyable. J'ai vraiment pas cru, hein. J'ai pas du tout cru. J'ai cru que là c'était parti sur suite d'ascension par contre, hein, ne pas se refaire shield break, ce serait vraiment dommage. Ah dommage. Grosse attaque de Mars. Mort. Ouais, c'est dur de. Ah, ça bait, bien joué. 40% pour Lambo, ça peut être dur parce qu'en quelques coups, malheureusement, ça peut vite partir. Si Chic space bien. Mais après, Lambo fait des très bons combos, donc peut-être qu'il va réussir à mettre quelques jolis pourcents. Ah Chic, on va voir ce qui va se passer là, ça va être serré je pense là. On sait pas encore qui c'est qui va gagner ce round là, mais... Ce Pubby qui a été catastrophique malheureusement, qui a été puni, oh là là, attention. Attention, ça se joue peut-être sur ça. Oh c'est... ça n'a pas touché, ça ne touche pas, ça remonte, oh là là. Oh là 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 là, le neutral B, moi. Il va se passer plein de choses. Oh là, le prochain coup, je sens que ça va partir. Oh, c'est dangereux. Ça se change. Lambo qui reprend l'avantage. Lambo qui touche. Lambo qui a remonté, bien joué. Oh là là. Quel beau match. Un match de... Bon, ça a voulu se mettre des patates, quoi. Ça, vraiment, ça y va, là. Ça... Il n'y a pas de... Je mets des projectiles. C'est bon. Eh oh, on est là pour quoi? On est là pour smasher, c'est le but, c'est le nom du jeu. Et bah, ils m'ont pas déçu, ça c'est bien smash la gueule, ça fait plaisir ça. Ah là là. Du début à la fin du match, ça n'a pas été décidé, hein, ça. Lambo a très très bien remonté, hein. Vous savez, de toute façon, tout peut arriver dans ce match, on le sait. Ok, on est parti. Sur un champ de bataille du coup, mais on va dire skinné château assiégé. Je crois que ça s'appelle comme ça le château assiégé, je sais pas. Je sais plus si c'est pas si vrai nom. À vrai dire. Thank you.
Ouh, t'as bien fait de lâcher cheat parce que ça aurait pu être... ça aurait pu mal se passer encore une fois. Hein. Ouh, attention, la rolline, ça aurait pu être... c'est un peu dangereux, mais... Ouh, le counter qui passe mais qui ne tue pas encore Lando, qui arrive à remonter. Ah, il n'a pas bougé, dommage. Je me serais dit qu'il allait punir ce neutral vie dans le vent, mais ça il l'a pas fait, il l'a pas fait. Ah, Lambeau, ça ne tue pas encore. Il remonte peut-être. Ah non, il n'a pas pris. Oh là là, ça n'a pas puni. Dommage. Ça aurait pu être un kill, ça. Shit, on n'a pas profité, malheureusement. Peut-être alors que. Peut-être que Lambeau prendra l'avantage sur ça. On ne sait pas encore. 172. Oh là là, il va falloir peut-être songer à se tuer. Ça ne punit pas. Shit, malheureusement. Qui ne prend pas. Des bonnes occasions pour punir, il y a eu beaucoup d'occasions pour le tuer, mais c'est... Lambeau est chanceux, il n'a pas puni le upper. Lambeau prend l'avantage 183%, par contre le prochain coup, n'importe quoi, je pense que ça tue. Enfin sur un tipper, mais... Même sur un non-tipper peut-être, hein, parce que là, ça c'est quand même 183%. Faut pas se foutre de la gueule du monde, c'est pas Bowser. Mais en profite, Y%, voilà, le hubby qui a été touché. Deuxième stock pour les deux joueurs avec une petite, une très très petite avance pour Lambeau au niveau des pourcents. Lambeau qui edge très très bien. Ça fait tomber ce coup de pied. Ah le dommage, le smash qui est pas passé, j'aurais cru franchement. Peut-être se presse un petit peu trop. C'est un Fox qui a pas trop non plus de hit lag. Ouh là là, ça a failli toucher le side B. Oh là là, ça a été cool ça d'aller directement dans le centre du smash. 80% contre 147. Ça peut tuer vite. Oh là là, malheureusement, le saut puni par Lambeau qui fait un très 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 bon smash. Ouais, il va revenir. Oh, il revient, il a pas tout. Putain, il a pas. Il a pas pris d'aide. Ah, ouais, ça touche à l'envers. Bah, d'accord. Il y a peut-être un petit problème au niveau de la gravité, quoi. L'attaque sur la gauche qui part vers la droite, c'était quand même assez, assez étrange comme concept. Bah alors Lambeau qui enchaîne. Ah, il jongle avec son adversaire. Très dur, il se prend les coups. Oh là, très très bonne phase. Bien joué Lambeau. Oh, il lui a... Sur ses stocks, il ne lui a laissé aucune chance. Comme dirait un certain Québécois, tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. C'est bien joué Lambeau, 2-0 pour lui. Qui passe, qui continue son élancé. Mais alors, j'ai envie de vous dire, mes amis, que se passe-t-il au niveau des matchs? Eh ouais, on aimerait bien savoir. Comment ça, voilà, au cours de Rondoudou, quelle idée, je vois Rondoudou. Cet homme est malade. Alors on a notre finale, notre winner finale, donc pas la grande finale, ça va être Aubergine contre Evil. Est-ce que ça a été lancé ça... Mais il lance des grandes finales hors stream, ce que ça... Enfin il lance des finales hors stream, vraiment. Bon, c'est quand même un peu... C'est quand même méchant. Pourquoi on me laisse pas les finales en tournoi quand même? C'est méchant. Du coup, Lambeau va affronter Kyriam. On a en loser round 6, donc on a Kyriam, Lambeau et Face Silencer dans l'actuel. Ok.
Et après, bah, du coup, en grande finale, en loser finale, on aura le perdant d'Aubergine contre Evil. Ok. Ça va pas tarder à enchaîner, ce sera Lambo Kyriam du coup qu'on va m'envoyer, je pense. Je vais déjà le préparer. Ok. Putain, ça me gratte. Oh, je n'en peux plus de cette chaleur. Ah non, c'était en free play en fait. Ah bah voilà, mais je me disais bien, c'était bizarre qu'on ne me donne pas ce. Qu'on me donne pas cette finale là. Voilà, bah Aubergine et Ville en finale, c'est pas mal ça. Ok. Je pense que vous allez l'entendre, Evil, le crieur fou. Evil est excité toujours en finale, hein, c'est un malade. Allez, chat, t'inquiète pas, je vais bien te mettre ce que tu mérites. Ah, bah oui, évidemment. Enfin, faut être un peu. Ok, Aubergine et Evil, donc Evil, un joueur d'Inkling toujours, Aubergine, joueur de Ridley. Ça commence déjà au niveau de la peinture. On rappelle la peinture d'Inkling qui met des pourcentages supplémentaires. Apparemment, quand tu es recouvert, c'est 20% de dégâts en plus. Ce qui est quand même assez énorme hein, quand on est complètement recouvert. Sauf que Ridley, il a pas besoin de ses 20% visiblement parce que bon, les dégâts qu'il met. Oh, le rouleau directement. Heureusement que c'est à bas pourcent parce que quand même, ça aurait pu être puni ça. Bah ça va, il a pas pu faire grand chose. Ouais, beaucoup de rouleaux quand même, qu'est-ce qu'il fait il a... Ah, des rouleaux à ce pourcentage là. Et faut économiser ses rouleaux pour quand il est à haut pourcent. Oh putain, le fer qui touche de derrière, hein, c'est incroyable. 5%. Avantage pour Aubergine. Ah dommage, oh là là, rien ne touche. C'est infernal. Ça par contre ça a bien touché, ça a failli tuer, attention. Le prochain coup risque d'être très fatal parce que 149%, oh là là, le smash. Je peux vous dire que le prochain coup, ouais, 160%, ça tue pas beaucoup quand même le fer du Ridley. Mais là par contre à 160% c'est du bon côté de la map, ça risque de tuer. Enfin il y a un rouleau, ça c'est... Ah et malheureusement il s'est tué. Enfin, 60% de prendre un coup était allait être décisif, mais bon. Mourir, ça aurait pu mettre quelques pourcents. Putain, le stream lag un peu, hein, c'est compliqué. 126%, peut-être il va falloir songer à tuer ce Ridley. Un peu trop envahissant. Est-ce que ça va passer? Ça connecte, bien joué. Up throw into upper. Hello, Matic Strange. Par contre, on est sur un son français, on va commencer à parler français parce que sinon c'est ban. Hein. On n'aime pas les gens comme vous par ici. Oh, ça a touché! Le Donby a été touché, 107%, madre de Dio! Voilà, j'ai senti la goutte de sueur de Evil. Ça fait pas très plaisir de se prendre ce Donby. Ah, par contre, ça fait pas non plus le plaisir de se prendre ce rouleau, mais ça ne tue pas. La tech, bien joué, c'est allé le chercher. Par contre, puni. Encore un rouleau puni par un smash. Mais là, ça tue, ça connecte, évidemment. Encore une fois.
Upstrow into upper. Oh, est-ce qu'il va faire la dinguerie? Non, la dinguerie n'a pas été faite. Il a esquivé. Mais non, mais quelle infamie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je peux vous rejoindre? Comment ça nous rejoindre? Quand tu m'as nous rejoindre? Très cher. Très cher Matix. Fait chaud aujourd'hui. Aïe aïe, malheureusement, pauvre suicide de ce cher aubergine. Mais il va se reconcentrer. Mais déjà, vous voyez le niveau parce que hein, c'était très serré, c'était pas loin de faire un 0 to death. Et il a eu très très chaud, mais il a eu des bonnes phases aussi. C'est du bon level là, on est, bah, ça se voit qu'on est en finale. Après tout, c'est fait exprès. C'est pour ça les finales. Ok, on est sur un petit champ de bataille. Directement, les hostilités, ça ne perd pas de temps. Ah, dommage, les grappes d'aubergine hein, qui ne veulent pas passer, hein, ils ne se retournent pas. Ouais, le rouleau. Beaucoup de rouleaux, mais qui passent, hein, étrangement. Oh, j'ai cru que celui-là allait passer, je me suis dit tout de même, aubergine, respecte-toi. Ah, ça y est, je crois que malheureusement, il faut faire une run pour jouer avec d'autres personnes. Ah, oui, non, mais là, Batix, je crois que tu n'as pas compris. Nous sommes actuellement sur un tournoi offline. Il n'y a pas d'arène qui tienne, nous sommes sur un tournoi. Et nous sommes d'ailleurs en finale. Oh là là, et je n'ai pas vu ce qui s'est passé. C'est parti directement sur House Smash, je crois. Au bord de l'edge. C'est parti très très vite. Ah, cette fameuse trap. Il est recouvert de peinture. La peinture qui s'enlève tranquillement. Ouais, c'est quoi ces Smash? 3 Smash d'affilée, mais c'est une honte, monsieur. Mais bon, ça passe. Bon. Oh non, mais... Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il se passe? Aubergine déjà sur sa dernière stock. Allez, Aubergine, on se refocus. Ne te laisse pas 3 stocks tout de même. Pas en finale. Ce serait une honte. Oh, le rouleau, encore une fois, qui passe. Oh là là, très très bien joué. Très très bien joué. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise face à ce move? Tomber par terre, double jab, up smash, bah oui. C'était plutôt beau. Par contre, ce qu'il se passe, c'est que Aubergine semble déconcentré. Il va falloir se ressaisir un peu. Il va falloir nous redonner cette flamme qu'il avait pendant le premier match. Parce que là, faut pas se laisser faire. Allez, on se met deux petites claques, on y retourne. Plus fort que jamais. Oh, direct, ça y va. Est-ce que... Non, tout de même pas. Mais Villa réussit à s'en sortir. Oh, ça se sent. Aubergine semble lancer en colère. Il ne laisse pas aucun moment revenir. Oh, Evil. Oh, Evil, très beau spot dodge. Attention, c'était très risqué ça. Oh, attention, ah, très. Oh là là. Recouvert de peinture, attention, ça peut être dangereux. Les dégâts pris vont devenir monumentales. Pour 71. Qu'est-ce qui va se passer? Le rouleau, mais non. Le rouleau ne passe pas. Le tilt qui ne tue pas. Pas mal. Et oui, échec et mat. Échec et mat sur ça. Forcé à sauter pour ensuite le catch avec le fer. À 7% pour le tuer, c'était pas mal. Par contre, 108%, attention. Est-ce que Aubergine va garder? Oh! Que se passe-t-il? Non. Oh, ça remonte, mais attention, hein. Attention, parce que ce qui allait se passer là, je peux vous dire, ça n'allait absolument pas être catholique.
Oh, le smash, le bien chargé, la roulade punie. 131%, 84%. Ça grabe encore une fois, 98%, 99%. Aubergine est en colère. Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça tue? Ça tue, ça connecte. Les deux sont sur le deuxième stock avec un certain avantage pour Aubergine. 110, ayant mis Evil à 110%, la dash attack. 141%, attention. Le prochain move peut-être. Le prochain coup va peut-être être fatal. Le mettre Evil sur la dernière stock. 18%. La bombe de peinture, attention. La deuxième bombe de peinture, attention. La troisième bombe de peinture, attention. Oh, qu'est-ce qu'il se passe directement dans le... Ça tue, hein. L'obstro tue. Je ne connais pas trop l'obstro de... de Ridley, donc je sais pas trop si ça tuait. Est-ce que ça va le chercher? Ça va. Ça a voulu essayer d'aller le chercher. Mais c'est remonté. 127%. Le rouleau, par contre, il n'a pas connect. Ça tue sur le upper. Le upper, qui, le upper de la Lightning qui est plutôt pas mal. 22%. Hein. Evil qui a su bien bien remonter. Par contre, ça, ce n'était pas très bien remonté, ça. Au contraire, c'est même allé plutôt bas. Ah là là. C'est la fin de soirée, les gens se suicident, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a des fast folles qui se perdent un petit peu trop. Et malheureusement, avec une esquive, ça n'attrape pas l'edge. Ça permet à Aubergine de mettre son premier round pour continuer. Rien n'est perdu. On est actuellement à 2-1 pour Evil. Évidemment, on part sur le même perso, Ridley contre Inkling again. 2-1 pour Evil, Evil qui se chauffe, Evil qui se transforme en gorille. Oh, il y a eu un battle de regard à la Jojo. Ça y va sur les jabs, attention, est-ce que ça va continuer à connect? Ah oui, ça asperge de peinture pour plus de dégâts. Oh là là, déjà à 61%. Ça grave, ça y va. Dommage, je pensais plutôt. J'aurais plutôt pensé à un up smash, mais. Ah, oh là là, ça tue déjà? Ça tue déjà. C'est allé très très vite, hein. 35 secondes, une première stock de brisé. Mais par contre, il n'est pas à l'abri, il est à 73%, 82%. 93%. Ah, ça a essayé de trap. Ah, la spot dodge qui n'est pas passée malheureusement. Ah, Aubergine qui se prend beaucoup de rouleaux, c'est peut-être le problème du match. J'ai cru qu'il m'a fait peur, hein, sur la remontée, j'ai cru que ça allait mal se passer. Actuellement, Evil sur... sur une belle stock d'avance pour l'instant, peut-être deux stocks d'avance. Ça va chercher, ça touche en remontant, mais ça ne tue pas, heureusement. Et ça tue. Deuxième stock chacun, sauf que Aubergine est à 147%, ce qui est quand même un écart assez grand. Beaucoup de choses peuvent tuer à ce stade-là. Va falloir faire très attention, un back air, ça ne tue pas pour l'instant. 160%, il faut. On va essayer de mettre des pourcents, on va essayer de rattraper le retard peut-être. Et il va essayer de le conserver. Et oui. Oh! Ah, ça n'a pas connect sur le upper, ça voulait essayer autre chose. Ce n'est pas passé. 169%. Allez, il va falloir essayer de tuer, il va falloir essayer de tuer. Conserver l'avance ou le perdre. Qu'est-ce qui va se passer? Ça a esquivé, bien joué, ça n'a pas puni malheureusement. Oh, il est tendu, il se tend. Voilà, ça y est, ça y est. Il est rassuré, il a réussi à tuer. Sa dernière stock, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que... Aubergine va rattraper. Pour l'instant, Evil garde son avantage. Evil qui est à l'edge. Aubergine qui arrive à remonter. Ça commence à grimper. Upper, peut-être un deuxième upper qui va connect, non. Upper. Ça jongle, ça jongle. Oh, ça veut aller le chercher, c'est aller le chercher, ça risque. Ça a de l'avance, ça y va. Ça grabe, ça edge. Est-ce qu'il revient? Il revient, il revient, il revient, mais non. Encore un backer pour le mettre dehors. Ça va le chercher, ça regrabe.
Aubergine dans la tourmente qui n'arrive pas à remonter. Ça ne tue pas toujours, et il veut en finir, et il a envie d'en finir, ça ne tech pas, ça ne remonte pas. Très très bonne game d'Evil qui bat Aubergine 3-1. Mais il va falloir rester concentré parce que ce n'est pas la grande finale, c'est la winner finale. Et donc Evil qui atteint le top 2 actuellement, peut-être le top 1, on ne sait pas. Mais en tout cas il a sa place dans le top 2, ça c'est sûr. Bien joué de la part des villes. Alors voyons voir maintenant. Les taux se resserrent. Qu'est-ce qui se passe au niveau du bracket? Donc Evil qui attend la grande finale évidemment. Je l'attends là. Il attend, il attend. Le gorille Evil. Le pirate. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc on a Kerem contre Lambeau qui est en train d'être joué. Visiblement. Ah non, qui a fini. Ah quand même, c'est la fessée un peu. Qui s'est pris la fessée? Charles? Qui s'est pris la fessée? Qui s'est pris la fessée? Lambeau s'est pris la fessée. 3-0? Oui. Putain. Et bien du coup ce sera un fail Lambeau, oui. En effet, ce sera donc un fail Kerem. Et après le vainqueur de fail Kerem va combattre Aubergine pour la loser finale. La loser finale sera en quoi, en BO3 ou BO5? La loser finale. Ouais, on a juste. Et ça c'est BO3? BO5 aussi. Ça c'était déjà BO5 en plus. Ah oui en effet, oui. Non mais oui, mais je les ai pas eu ces matchs, donc je sais pas. Par contre, ah oui, un truc sur ton script. Il y a un truc sur ton script, c'est que regarde. Ah, je sais pas si on pourra le voir. Bah si, regarde. Là on est en finale et c'est marqué winner 25. Je te préviens quoi. Okay. Du coup quand c'est semi-finale et tout, je le tape manuellement après. Ouais. Ça va. Oui. Ça va. Je vais voir si je peux l'améliorer parce que en fait c'était chiant d'aller récupérer le vrai texte. Ouais. Et du coup je vais récupérer un autre truc plus facile à récupérer. Ouais ouais. Bah, du coup au moins tu sais quoi. Ouais ok. C'est noté. Voilà. C'est noté. Tu sais que ton micro est toujours ouvert. Ouais je sais, c'est pas grave, bon. De toute façon. Matrix Strange. Matrix. Pas Matrix. Matrix. J'ai dû un moment redémarrer parce que l'Avermedia a... Ouais. Du coup ça a pris, j'étais là. Bon bah du coup il y a deux. Enfin il y a eu un stream qui s'est coupé et puis un stream. En speed quoi. Ouais. Je te préviens comme ça tu. Du coup je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est quoi? C'est remonte le bracket? Là c'est quoi? Bah là ça va être bah Lambeau machin là ça vient d'être fait. Ouais. Donc bah ça va être c'est fake Kerem.
Bon alors, je vais laisser ma place à un monsieur qui a envie de caster rapidement. Je vais le laisser. Je te set up juste le truc. Comme ça, t'as pas à le faire. Et je te fais ça. Ah. C'est Faye Lambeau ? Ah non, c'est Faye Kyriam. Ok. You, ah tu es là. Bon, tu sais comment ça marche, OBS ? Alors, vas-y, juste là, c'est les intermatchs, donc c'est quand c'est entre deux matchs tranquille, tu vois, y a rien. Ok. T'appuies sur ça juste pour la game 1v1, et tu vois, ça met le. Ok, quand il lance la game. Quand il lance la game. Donc après, quand tu repars entre deux, tu remets ça. Et ensuite, quand il y a 1-0, 2-0 machin, tu switches sur le stream et tu mets 1-0, 1-0, 2-0, 3-0, c'est en BO5. Ouais, je fais juste Alt-Tab et ça met direct. Non, alors tu mets Alt-Tab, mais après faut que tu... Oui, oui, ça, oui, normalement oui, ça met direct. Alt-Tab, oui, ça met la fenêtre, quoi. Voilà. Et après, bah, tu mets en fonction quoi, bah, de qui gagne, qui perd. Bien sûr, ça marche. Voilà. Tiens, allez, je te laisse. Hop. Jamais pour une raison ou l'autre, t'as besoin d'un but pour mon micro. Pour les XL, juste en dessous du micro alors. Ok, ça marche. Bonsoir. Alors, ici Aubergine, je suis le Ridley qui vient de se faire latter juste avant, et c'est la première fois que je caste. Et je remercie notre caster attitré qui m'a gentiment laissé la place. Du coup, pour caster ce Kay contre Faye. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ces deux joueurs ? Les deux ont battu Lambeau. Du coup, c'est un. Comment ? Les deux ont battu Lambeau. Du coup, ouais, deux joueurs assez défensifs. Donc, deux joueurs de zoneur. Faye, qui est le roi de la cuisine. Il adore lancer tout un tas de saloperies à la gueule de ses adversaires. Et on a notre challenger qui arrive. Incroyable. Alors. On est parti directement. Humain. Battlefield. Je connais pas du tout le match-up, je sais pas lequel de ses avantages. Par contre, on va avoir directement les pots qui sont lancés par Marie pour essayer d'aller titiller ce Young Link à distance. Bon, Faye qui reste sur son game plan basique, hein, ça balance de la cuisine. Petite approche là. Ok. Oh, joli retour, reflect de la Marie. Ah, Graf Whip, c'est dommage. Les petits jabs. Oh, joli ça de la part de Kay. Les petits jabs avec l'optil pour follow-up. Oh, sympa. La dash attack, toujours. La spéciale. Voilà. Les deux joueurs qui restent à distance, hein, fidèles à leur perso. Voilà. Joli bombe de la part de Faye pour récupérer le neutral. Ok, jab. Ok. Ok, le ledge trap, qu'est-ce que ça a donné? Ouh, le down air, très joli rythme de saut. Et ça repart en ledge trap. Alors, faire attention à pas chercher Marie. Les ballons, ça protège. Faye qui récupère le stage control. Bon, ça repart en neutral. C'est assez serré pour le moment. Léger avantage pour Faye, son Link enfant. Ouh, le smash un peu piffé, c'est dommage. Retour en neutral, le projectile qui est récupéré, il le relance direct. Et pour l'instant, ça se cherche. Hein. Faye qui a du mal à tuer. Grave un peu, oui, c'est dommage. Ouh, jolie canne à pêche, ça a failli tuer. Dommage, le upper, très joli. Belle phase de juggle de la part de Kay, mais c'est récupéré. Faye qui récupère le centre du terrain. Et là c'est compliqué. Là, Marie, faut que ça tue. La canne à pêche, c'est dommage. Ouais, le petit, on est un peu à 3%, mais le upper en juggle. Très joli de la part de Faye. Le nerf pour remettre offstage. Et là, on voit Faye 150%. À Marie, c'est difficile, mais. Caster Curse. Puis le moment où je dis ça, il trouve un superbe de forward tilt qui apprend cette stock très rapide. Et là, c'est quasiment even. Déjà deux minutes de jeu. Ok.
Ah, ça se cherche, hein. Ça s'envoie la cuisine à la gueule. Ça a du mal à trouver de vraies ouvertures. Oula, un peu audacieux, dommage, la tentative de Spike de la part de Kay qui n'a pas donné grand chose. Heureusement, il récupère le centre. Oh non, il a SD! C'est terrible! C'est dommage, et du coup, on se retrouve avec quasi une stop d'avance pour Kay. Il est très bien. Et là, faut être patient, faut jouer sur les nerfs. On set up la petite plante. Faye. Joli canne à pêche, avec les petits combos. Donc ça tente la douille de jab, malheureusement. C'est bien vu de la part de Faye qui évite tout ça. Ou la bombe pour péter le ballon, ça aurait pu être dangereux. Heureusement, on était assez proche du terrain. Là, on est reparti pour une superbe phase de ledge trap. Et Faye qui reste concentré malgré sa SD, qui reste focus. Qui arrive pour l'instant à pouvoir remonter au pourcent. Malheureusement, pour l'instant c'est difficile. Hein. Joli neutral de la part de Kay, de Kerriam. Tout à l'heure je dis Kay alors que c'est Kerriam. Je suis un mauvais caster. Coup le neutral toujours. Kerriam qui cherche toujours des ouvertures. Jolie canne à pêche, ça tue. Incroyable. Magnifique. Victoire, 1-0 pour Kerriam. Avec cette SD malencontreuse de Faye. Qui l'a mis un peu dans la sauce. C'est le match qui était serré à part ça. Les joueurs qui sont en train de ban les terrains. Or, s'ils vont repartir sur Battlefield ou continuer. L'heure de s'être décidé, ça va partir sur Frégate Orphéon. Le magnifique rule-set du NSU qui a ce stage légal, qui change de stage un peu insolite chaque semaine. Donc on aura Frégate Orphéon. Alors stage un peu commun. Grand stage cependant. Alors, on va voir ce que ça va donner pour deux honneurs. Donc avec ces plateformes mouvantes à droite et à gauche. En particulier, on est parti en neutral. Donc ça fait qu'il lance pas mal ses projectiles, voilà, stick de gameplay. Ouh, joli grab de la part de Kerriam. Malheureusement, ça sera reverse. Le jab qui est bien trouvé. Ouh, joli fer pour catch le saut. Et là, ça va edgeguard. Je peux pas perdre edgeguard. Joli flush pour anticiper la roll-in. Ah, ça a tenté le setup avec le drag down fer. Malheureusement, ça n'a pas connecté. Fake nous fait une stock impériale. Il reste super safe. Balance ses projectiles, mais c'est setup. Et là, Kerriam presque mort, mais pas encore. Oula! Joli canne à pêche. Est-ce qu'il va tenter la douille? Malheureusement, non. Il aura gratté quelques pourcents, repart en neutral et. Oh! Le reverse au down air. C'est très bien vu de la part de Faye. Un peu dommage. Joli canne à pêche pour mettre quelques pourcents. Kerriam qui récupère l'avantage. Malheureusement, la Yanglin peut facilement zoner avec cette plateforme qui descend. C'est vraiment dommage pour le coup. Jolie petite phase de combo de la part de Faye. Qui gratte les pourcents. Là, c'est son objectif. Et c'est difficile pour Kerriam, là, qui a du malheureusement ce downer. Qui va remettre en désavantage. Une petite phase de la part de Kerriam, malheureusement. Et encore ce downer. Qui vient catch sa tentative de juggle. Le ledge trap pour Faye. Ah là là, il a pété le ballon. C'est terrible. Et Kerriam qui est en difficulté sur ce début de marche. Pile au moment où j'y sais, il nous lâche un superbe setup. Downer F-Smash va là-bas au rang. Évidemment, le up B de Link Enfant. Très combo tout très fort. À Kerriam qui se fait encore avoir par ce downer en désavantage. Faut qu'il fasse attention, là-dessus. On repartit. Ça a tenté de douiller avec ce F-Smash après lui avoir renvoyé son boomerang. Ledge trap.
coup, joli get up attaque. On reset le neutral. Et on est reparti. Kyriem qui accuse toujours quand même un retard d'une stop complète. Le swash out of shield, ça ne passera pas. Heureusement, c'est pas puni. La canne à pêche qui a presque réussi. Et là, ah dommage, le fer qui est raté. Mais Kyriem en désavantage. Faye qui trouve le down tilt. Le B, ça tue. Ça ne tuera pas. Nous sommes sur Frega Torfur, mesdames et messieurs. Évidemment que ça ne tue pas. Et là, plus de ballon. Mais il revient. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est cette game? Il ne veut pas mourir? Et puis le monde joue ça. Et évidemment. Évidemment. Faye. Impérial sur cette game. Qui mène de bout en bout. Et là. Les games un peu bizarres. C'est. Un coup tu te SD, un coup je me SD. Et nous sommes à 1-1. Dans cette loser finale. Les joueurs qui repartent dans une phase de ban, qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce que cette fois on va ban ce stage bizarre? Ok, on repart sur du classique Smashville. Stage petit, donc ça va souvent jouer en ledge trap. Alors, le ledge trap qui est vraiment des points forts de Marie, alors est-ce que ça va l'avantager? Donc c'est ce qu'il pense en tout cas, vu que c'est son putter pick. Et on est reparti pour la game 3 directement. Alors, début de game, ça se cherche, ça s'envoie ses projectiles de part et d'autre. Joli, Kyriem qui récupère un avantage, malheureusement, c'est reverse parfait avec ce magnifique B. Et le jab sur la plateforme, ça va mettre des tonnes de dégâts. Oula, Faye qui défend de très loin son bord du terrain. Kyriem qui s'en sort sans trop de soucis, un peu dommage là-dessus. Ok, le up tilt, dommage on n'a pas le follow-up avec le upper. Jolie phase de combo avec le fair drag down, c'est un EB, ça met en désavantage. Là c'est la phase de ledge trap. La Faye qui essaye toujours d'arnaquer en pétant les ballons. Et c'est un joli avantage. Oh joli Lightner pour catch cette recovery. Le dance splash qui entra pas, c'est dommage. Qui arrive à s'en sortir en absorbant cette flèche. On est reparti en neutral. Ah dommage l'abspot dodge. Là on a un peu paniqué du côté de Kyriem. Et là, joli up tilt, out of shield. On repart en neutral, mais Kyriem qui accuse un retard assez conséquent. A effet, Kyriem qui ne se fait plus avoir par ses downers un peu hasardeux. On part en ledge trap, ça envoie des petites pierres. Et qui arrive à reprendre le singe grain. Et ce magnifique forward tilt pour venir terminer cette stock. Heureusement, on arrive. Ah, dommage. Le ledge guard un peu hasardeux. Qui permet à Faye de reprendre l'avantage. Joli F smash pour catch l'air dodge. Et Faye qui arrive à tourner énormément de reverse. Très agressif en désavantage. Heureusement que ce B est passé parce que là ça aurait été catastrophique. On repart en neutral. Joli reverse de la part de Kyriem. Mais c'est directement repris grâce au boomerang. Décidément, Kyriem qui a vraiment du mal à garder son avantage. Oula, ça a tenté le F-Smash pour satelliser la Marie. Ok, la canne à pêche, dommage. Ça fait Faye catch Toby, body lay de la part de Faye. Backstroke qui envoie très loin, mais ça n'a pas encore assez. La canne à pêche qui est shield malheureusement. Allez. Phase de juggle, dommage. On a essayé de raid quelque chose pour que rien ne s'est pas passé. Et le down tilt upper de Link en force, 160% pour Faye. On est toujours en vie. Faye qui est vraiment, vraiment dominant. Et Lubaker qui tue le boostage. Bon, il était à très haut pourcent. Mais tout de même, Faye qui délaie un maximum. Kyriem qui délaie un maximum. Mais on se retrouve quand même en ledge trap. Il arrive à s'en sortir, malheureusement. Qui arrive à trouver des phases d'avantage sont assez incroyables, surtout beaucoup de reverse. Très agressif ce down tilt, le jab un peu piffé mais qui passera. Le boomerang, ça tue. Et Faye qui est monstrueux sur ces deux dernières games, qui a l'air vraiment vraiment très chaud. Et là, là c'est la balle de match. C'est très compliqué pour Kyriem, vraiment qu'il se ressaisisse.
beaucoup de reverse de la part de Faye, beaucoup de tentatives d'edge guard qui ne passent pas. Et on passe au petit champ de bataille, donc un stage toujours petit. Kariam qui décide d'arrêter de laisser la Smash League de côté, partir sur un charge relativement plus grand. On est reparti pour la game 4. Faye qui continue à lancer ses projectiles. Un neutral toujours très patient. Attends l'ouverture. Petite dash attaque de la part de Kariam pour essayer de gratter des pourcents. Oh joli avec la bombe. C'est son projectile. La Faye qui lance sa cuisine, les flèches. Approche-toi si tu peux. Kariam qui reprend le centre du terrain. Malheureusement, elle poussa ce corner grâce au jeu de projectiles de Faye. Très compliqué. On trouve joli nerf dans le tilt. Jolie petite face. 61% déjà trouvé de la part de Faye. Qui trouve ce boomerang tout forward air. La classique de Yang Link. Et là, c'est une phase de l'extrape qui est vraiment compliquée. Le nerf pour remettre. Oh oui, ok. Ah, dommage. Kariam qui a tenté ce spike, malheureusement pas assez de pourcent pour que ça tue. Donc, on retrouve un peu d'air quand même. Ah, et dommage, joli flash d'edge guard. Faye s'est fait gratter son saut et qui n'a pas pu revenir. Hop, on delay un peu l'invincibilité, on revient de l'autre côté. Le problème c'est que ça nous met en ledge trap, mais Faye qui arrive à garder cet avantage positionnel. Ça a essayé de casser le ballon, malheureusement ça ne passera pas. Le F-Smash pour gratter quelques pourcents. Et là, Kariam, jolie phase de juggle, qui ne se fait plus trop avoir par ses downers en désavantage un peu hasardeux. Très joli de sa part. Donc là, phase d'edge guard, et au moment où je dis ça, downer. Vraiment, il est super fort pour les trouver, ceux-là, Faye. Joli, magnifique, spike, F-Smash. Très belle avance, une stock d'avance pour Kariam. Mais décidément ce set qui ne veut pas se calmer. Dommage la canne à pêche qui est un peu ratée. Le jab qui est shield. On essaie de pas punir, on respecte de la part de Kariam. Et on reprend le contrôle du terrain. C'est dommage de la part de Faye qui avait réussi à trouver le centre. Heureusement on repart en neutral. Jolie phase! Faye qui est toujours on point pour trouver ses down tilts, ses fers pour gratter quelques pourcents. Et là. Mais Kay qui trouve tous les landings avec ses smash. Et on est reparti pour un ledge trap. Joli grab qui lui dit non, mon garçon. Le ledge trap, c'est pas pour moi. Heureusement, on arrive à reverse la situation. Faye qui a toujours un avantage positionnel. Ouh, ça tentait la tech chase, mais. Le F-Tilt qui sort à une vitesse. Malheureusement, la canne à pêche, on a tenté une espèce de read. Le down air pour mettre en avantage. Ah, c'est très serré, hein. Les deux se rendent pour coup. Heureusement que Kariam a cette stock d'avance quand même qui lui permet de respirer. Ah. Back throw pour tenter un setup sur la plateforme. C'est très bien joué de la part de Faye qui remet en ledge trap. Ça essaye de casser les ballons toujours. On garde sa distance de sécurité. Aïe aïe aïe, la canne à pêche un peu piffée de la part de Kariam. C'est dommage. La bombe qui a failli toucher, ça aurait été catastrophique. Et là, le joli mash qui lui permet de rester en vie. Le grab qui ne passera pas quelques limites, c'est très dommage. La canne à pêche. Non, ça monsieur, c'est scandaleux ça. La canne à pêche qui ne contre pas into la forward throw qui tue. Là, c'est très dommage. Et Faye qui rattrape déjà son retard. On a une stock à une. Qui a relativement au pourcent, mais c'est Yang Link, une phase, et ça peut partir très vite, déjà 50% de trouvé. Là, ça va être compliqué. La canne à pêche, up throw, ça ne tuera pas. 140%, la prochaine, c'est la mort assurée. Ah, c'est très très serré entre les deux joueurs. Le boomerang qui ne connectera pas. Faye qui cherche ses setups avec ses projectiles, qui gratte les pourcents. Qui ne prend pas de risque. Et si ce down air, très beau Z. Et la lâche attaque, ça tue. Faye avec le comeback, incroyable.
mais quel homme. Et Faye qui avance en loser final. Bravo à lui. Une très belle remontada de sa part. Et je vais dès à présent laisser la place à notre caster officiel. Je vous remercie. Désolé pour les petits bégaiements et les erreurs de prénom, celui du genre. Je vous remercie. Bonne soirée. Allô ? Bon, bonsoir. Quoi ? Comment ça ? Ah mais putain, mais ça se débranche, c'est de la merde. De la merde, c'est de la merde. Alors. Bon, alors moi j'ai loupé. C'était quoi le match ? C'était Faye Karim 3-1 visiblement. Du coup, bah ça va être Aubergine Faye. Aubergine Faye, donc, on disait. Alors. On est en loser final. Ah, sous cette chaleur, mais c'est bientôt fini. 23h35. Bientôt la fin. La fin de mon supplice. Je veux rentrer chez moi et retrouver mon ventilateur. Aidez-moi. Putain, ça me pique le nez sale. J'en peux plus. Je suis en train de me gratter. Je suis trop chaud. Je vais pleurer. J'ai pas le droit au bonheur. Quelqu'un qui est pas dispo dans le 82 pour me péter la gueule, s'il vous plaît. Bon, j'espère que le match de tout à l'heure vous a plu. Là, on passe du coup en loser final Aubergine de contre Faye. Qu'est-ce qui va se passer ? J'ai hâte de voir. Faye, vous connaissez, hein, qui lance des bombes à la Link Enfant et la racaille. Mais ça marche bien, visiblement, du tout, une racaille. Après, c'est le principe des honneurs, tant que ça zone bien, ça a un très bon avantage. Ça, par contre, si ça arrive au corps à corps, ça devient plus compliqué après. Faye gère très bien son Link Enfant, il sait très bien mélanger le zoning après l'attaque. Et la défense, de toute façon, à un moment, les projos, c'est pas ça qui va tuer. Hein. Faut arriver au corps à corps, prendre des risques et finir. Actuellement, bonne avance hein, de la part de Faye. Oh, il a... Oh là là. La roll et la smash là, ça met assez mal. Ah dommage, ça n'a pas touché. Ça n'a pas combo, 146%. Allez, je sais que ça a du mal à tuer, mais là il va falloir. Ah ça connecte pas. Ah ça connecte ça par contre. 96% le fail. Peut-être, on va peut-être falloir attention à pas trop se faire toucher. Ouh, attention, peut-être le perd. Non, c'est bon, il redescend. Assez risqué la redescente, hein, mais ça a payé, ça a payé. L'effet de surprise, sans doute. Ah là, le fer, hein, le fer qui pique. Oh là là, oh bah ça par contre, qu'est-ce que c'est beau, la bombe, il va chercher à la bombe, ça touche. Il le grappe, oh là 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 là. Très très bonne phase de la part de Faye. Qui met Aubergine sur sa dernière stock alors qu'il a... bah j'ai rien dit du coup. Il perd sa première stock, mais c'est déjà une très bonne avance, hein, une stock d'avance entière. Ce n'est pas rien à ce niveau-là. Mais tout est possible, hein, une bonne phase arrive toujours. Aubergine peut très bien rattraper ça. On va voir comment il se débrouille. Attention, et oui, sur la plateforme... Le Ridley ça couvre une bonne partie de la plateforme, donc quand on est pris dessus c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut essayer d'éviter le plus possible d'être sur les plateformes.
ça s'affiche quelques pourcents. Attention, oh, le smash qui a failli tuer, on l'a senti à quelques pourcents près, hein, et c'était mort. Oh, oh là là, ça tue. Putain, le Bakar a raté, mais il a eu le temps de faire un upper pour tuer Aubergine. C'est 1-0 pour Faille, c'est allé très très vite, 2 minutes 30, c'est incroyable, c'est fantastique. C'est un speedrun à ce stade. Surtout pour Linkenfan. Là, c'est parti. C'est très très vite. Pardon. J'en perds la gorge. À l'aide. On est reparti, deuxième round. Est-ce que ça va mieux se passer pour Aubergine? Je l'espère en plein pour lui. Mais je suis malheureusement pour lui du côté de Faye. Mon bro. 38%, ça y va, ça s'échange, hein, ça traite des coups. Il disait le jeu un peu agressif, le Faye sur cette stock. Oh là là, mais ça, visiblement l'agressivité paye. Pas trop de projo par rapport au premier match pour l'instant. Mais à 123%, ça aurait pu, hein, ça a failli très mal se passer. Oh là là là. Ah, c'est très dur pour Virgin de remonter. Ça shitpoke ou il a lâché? Je pense que ça shitpoke, non? Je sais pas. Allez, ce qu'il veut pas deux fois, visiblement. Ah, le deuxième coup, malheureusement, pas shield. 171. Il va falloir songer à tuer. Allez, on y va. Ah, ça tout frame. Bien joué, bon timing. Running sur ce F-Smash. 73%. Ah, c'est dur pour Bergin de s'approcher, visiblement. La pluie de projectiles de Faye met mal quand on n'est pas habitué. Ça dodge ce smash qui aurait pu être, je pense, fatal. Oh là là. Oh là là, mais ça dure tellement longtemps ce EPR, quelle catastrophe! Ah, le trade en faveur d'Aubergine qui met du coup Faye sur sa deuxième stock, mais Faye a 133% d'avance. Ce qui est pas gagné pour 150 maintenant, ce qui n'est pas gagné pour Aubergine. Oh là là, les projo, impossible de remonter, c'est très dur. Ah, dommage, c'est dommage qu'il n'ait pas allé le chercher. Ça tue peut-être sur l'up trop, non pas encore, ça a failli par contre. 193%, oh là là, il a calculé le jump. Et ça tue sur un donner, hein. Ça a pas fait de upper. Je me suis dit qu'un upper aurait pu être plus safe, mais bon. Je fais confiance à Faye. Donc une stock d'avance actuellement pour Faye. Ouh, attention par contre, ça met des pourcents assez vite. 86%. Ça a pas voulu laisser remonter. Sauvé le grab, une tentative de grab, mais sauvé par le boomerang qui est parti. Ça ne tue pas, je pense. Ouais, voilà. Les pourcents étaient un peu trop bas pour ce move. Oh, ça a essayé d'être trap. C'était couillu. Ça a voulu jouer le jeu, beau jeu. Ça a grab ledge, ça a pas continué. 133%. Ça revient, 143 contre 133, une stock d'avance. Ah, ça me met quand même sur la dernière stock. Ce n'est pas encore fini. Ah ouf, ça a failli finir par contre sur ça.
Ah dommage, le Grand Prix n'est pas passé, 170%. 170%, il va peut-être falloir tuer, attention à ne pas se relâcher, attention à ne pas relâcher sa vigilance. Voilà, là. Je suis parti très très vite, 80%. Ça tue? Non, il remonte? Qu'est-ce qu'il y a soit Oh là là, ça n'a pas tué, il va falloir réussir à remonter, 170%. Oh si, c'est bien joué quand même, ça remonte là, malheureusement. Oh, le Bakar, ça a tué. Ça a tué, ça a tué. Voilà, très belle remontée d'aubergine. 1-1. Oh là là, c'était beau. Cette loser finale. Que des rebondissements dans cette loser finale. Que des rebondissements. C'est très très bien remonté de la part d'aubergine. Malheureusement pour Faye. Et on est actuellement sur 1-1, BO5, on rappelle. Il reste deux matchs, donc la loser finale, et ensuite on passe directement en grande finale. Le vainqueur de ces. Le vainqueur de ces deux. De ce match, on rappelle, va aller affronter Evil sur une grande finale. Evil qui a un avantage du coup de reset, parce qu'il n'a pas perdu encore. Ah, ça joue sa vie. Ça va bientôt se battre IRL. On est parti donc, 1-1. Ah, on est donc sur une map comme ça. Très bien. Ça n'a pas été puni, malheureusement, le bidangvent. Ah, dommage, le Baccarat qui n'était pas dans le bon sens. Alors ça y va, ça met des coups de Bi à tout va. Ça met quelques beaux pourcents. Oh, ça y retourne encore Bi. 3 Bi d'affilée touchés comme ça. Encore 4 Bi. Oh là là. Suivi d'un Upper très bien placé qui le tue. Ça a gratté les pourcents, c'est assez. Oh, encore Bi. Le Bi, c'est fantastique. Oh là là, un fer, on fire, ça y va. Oh, ça ne laisse pas de répit à Aubergine qui avait commencé un très bon début, mais là qui commence à se faire rattraper par les projectiles de Faye. Ah, malheureusement, il est retombé sur le upper, on rappelle, hein, qui reste quand même très très longtemps. Pas trop essayer de trade avec ce cure-dent. Un cure-dent comme vous n'avez jamais vu, parce qu'il fait très très mal ce cure-dent. 65%, deux stocks d'avance hein, de la part de Faye. C'est assez impressionnant. Ça va être dur pour Aubergine de remonter, mais on l'a vu là sur le round d'avant. Rien n'est impossible. Ah dommage, attention par contre ça. Ah, ça ne punit pas, quel dommage. Ah, le fer qui ne touche pas. Par contre, un bon donner directement. Oh là là. Ça mashup, on l'a vu. Ça a fait down tilt, jab, grab. Oh là là, il s'est esquivé. Oh, le 3 stock, c'est allé si vite. Oh là 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 là. C'était assez impressionnant. 2-1. Ça a été. Ah oh ouais, ça a été expéditif. 2-1. Oui, pour toi. Fouf. Un magnifique 3 stock. Voilà, c'était. Je ne sais pas si c'était parce que Aubergine était déconcentré ou Faye qui était dans un niveau stratosphérique ou les deux en même temps. Mais. Sur les fins de tournoi, un 3 stock, c'est très impressionnant. Parce que quand même, on a bien vu quand même, le niveau d'Aubergine qui est quand même très fort, comme le niveau de Faye. Mais là, 3 stocks. Et 3 stocks, par contre, ça a deux effets, le 3 stocks. Soit, ça fait très très mal au moral, et du coup, on se sent un peu au fond du gouffre. Soit, ça touche un peu l'ego et ça se dit, ah, ça peut pas se passer comme ça.
Par contre, ça n'a pas mâche, ça n'a pas mâche assez vite. Ça s'est pris beaucoup de pourcents sur ce grab, hein, parce que ça a traversé tout le terrain. Bergine qui est là dans un bon début. Il va falloir peut-être essayer de garder son jeu comme ça. Là, pour l'instant, il faut y arriver à se débattre. Ça revient plus ou moins à égalité. Ça tue, bien joué, ça tue. Faye qui impose son style de jeu actuellement sur ce round. Ah, la tech qui n'est pas passée. Dommage, c'est un reset, quasi reset, un petit 9% qui a été pris. Dommage pour la tech. Oh, les cancels, on le voit, hein, vous voyez. Pour ceux qui connaissent bien Smash, vous avez vu les cancels de fer, c'est assez incroyable. Grab, protégé de la bombe, c'est pas mal pour revenir. Ouh, attention le grab. Bien, 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 bien mâche. Ça mâche très très vite, ça a pas pris trop de pourcents sur ça. Ouh, attention, attention, et oui, on connaît ce trap, j'avais prévenu. Sur les plateformes, contre un Ridley, il faut faire attention. Il y a une mauvaise posture là actuellement. Est-ce qu'il va réussir à se sortir de là? C'est assez serré actuellement. Peut-être. Non, pas encore. Bah, Ridley, c'est un peu lourd. Ouah, ça tue, ça tue. C'était un petit, ça tue sur le petit. Même si c'est lourd, 165%, ça commence à faire beaucoup. Ça a voulu essayer de smash, je comprends. Ça a voulu essayer de re-reset. Mais là, ça a été puni très sévèrement ce smash. Hein. 66% ça a été mis. 83, ça a du mal à revenir. Il va falloir remonter. Il faut essayer de remonter. Faye, qui est actuellement sur sa stock. Thomas n'a pas puni. Ça avait cancel. Oh, attention. Attention, c'est dangereux. Ça ne tue pas encore. Ça tue cette fois-ci. 101% dernière stock. On se rappelle ce qui s'est passé. Ça va peut-être égaliser. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'Aubergine va réussir à égaliser? Est-ce qu'il va rattraper ses 113%? C'est possible, c'est possible. Mais Faye va pas se laisser faire. Faye qui joue plutôt safe, qui essaie de monter le pourcent, l'esquive du grab, le coup de pied. Oh, attention, ça va peut-être se jouer sur la dernière action, peut-être le dernier combo. Ah là là, et ça a touché le boomerang malheureusement. Il était plus invincible. Et ça a fini sur un down smash très très bien joué de Faye. C'était ce dernier match, c'était assez serré malheureusement. C'est Faye qui rempote cette loser finale 3-1. Il regrimpe en grande finale contre Evil. En plus, Evil qui avait éliminé Faye. C'était toi qui avais éliminé Faye? C'était moi. C'était toi. Oh ouais, mais j'en ai fait une tout à l'heure. Il y a... Ouais, il y a Aubergine qui m'avait remplacé. Allez. Oui, on l'a vu le 3 stock. De quoi? Vous êtes chaud? Vous enchaînez? Ah, et bien on enchaîne alors! Et vous l'attendez tous, cette Grand Final! Grande finale, je rappelle, qui va opposer Faye contre Evil. Il est temps de prendre sa revanche, Faye. Faye qui a été éliminé par Evil lors de la winner. On rappelle, actuellement, Evil a l'avantage du reset, ça veut dire que c'est en BO5. Si Faye gagne ce BO5, c'est un reset et du coup on repart sur un autre BO5. Alors que si c'est Evil qui gagne ce BO5, c'est terminé instantanément. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le but pour Evil, c'est évidemment de ne pas aller jusqu'au reset. Et bah le but de Faye, c'est et de faire un reset et de gagner. Ah, il va falloir mettre la dose d'adrénaline là. Enfin, on en a besoin, c'est la fin de la soirée, on est fatigué.
mais pas assez pour abandonner. Oh, il fait chaud, j'en peux plus. Il est minuit quasiment, mon ventilateur m'attend. Il crie famine et je crie famine, je n'en peux plus. Mais je suis là. Qu'est-ce qui me parle? Qui est-ce qui me parle? Ne me parlez pas pendant que je stream sur mon Discord. Alors prépare, choisis sa musique pour affronter Evil, le démoniaque, le gorille. Evil se transforme souvent pendant les matchs, on sait pas trop, des fois c'est un gorille, des fois c'est un chimpanzé, mais souvent dans la race, dans ce genre de race. On sait pas ce qui va se passer là, là ça va être de la folie. Dans les derniers 6 tabs, il n'y a pas eu beaucoup de reset en grande finale. Est-ce qu'on va enfin avoir un reset? Ce serait sympa. Un petit reset de la part de Faye. Allez, bon match aux finalistes, on y va, c'est le dernier match. Et contre Faye, la revanche qu'on n'avait pas pu voir en stream. Ça commence déjà, ça bombarde de peinture. Ça esquive. Ok, ça y est, ça commence à trapper 55%, 0,6, 55,3, c'est déjà égalité sur le niveau des pourcentages, ça y est. Qui c'est qui va imposer son playstyle? Ah, le rouleau, malheureusement, attention. Oula! Ah oui, je crois que le B n'était pas vraiment volontaire. Le premier avantage pris de la part des villes, mais ça se rattrape, hein, 72%, 89%. 105. Quoi, c'est peut-être un reset pur et dur. Ah et non, malheureusement, le premier coup a été porté. Spot dodge puni. Ah, les backers de la Dunkling, hein, qui mettent bien. Ça a touché sur un petit boomerang. 136%, malheureusement ça ne tue pas assez. Il va falloir tuer. Et ça tue peut-être sur ça. Et ça tue sur ça. Ah, ça met quand même des belles patates, hein, Inkling. Esquive. Du rouleau, attention. 38%, ça se chase, hein, ça saute en l'air, ça fait des trucs. Ah, le rouleau, mis dans le mauvais sens. Allez, il va falloir poser son playstyle, Faye. Impose-toi, parce que là, sinon, l'Inkling va te manger. Il faut repousser l'ennemi avec les projectiles. Un rouleau un peu audacieux. Oh, ça revient le chercher sur le grab. Attention, ledge. Aïe, ça ne revient pas. Le grid peut-être qui va lui coûter ce round. Mais c'est rien dit. 123%, le rouleau esquivé. Dangereux pour Faye. Prochain coup va peut-être être fatal. Malheureusement, la roll qui ne passe pas. Se prend en rouleau, c'est un reset sur la dernière stock, c'est très serré. Ça commence par des grabs, est-ce que ça continue? Non, ça ne continue pas, 12%. Ça touche sur le multi-hit. Ouh, attention. Ah, ça edgeguard bien. La peinture, attention à la peinture, ça va faire mal sinon.
La peinture, on rappelle, qui ralentit et qui rajoute des dégâts. Et oui, le rouleau, échec et mat. Ouf, le rouleau qui ne passe pas, malheureusement. Beaucoup de rouleaux pris, beaucoup de rouleaux utilisés. 109%, 37%, 124%. Est-ce que l'edge va être décisif? Oh là là, Faye revient, Faye se bat, 50%, c'est très dur, 59%, attention. Hein. Le prochain combo peut être décisif du côté de Faye. Le grab, c'est de back throw, et ça touche sur le fer bien joué de la part des vilains, 0. Ah, malheureusement, ce qui met à mal dans ce match, c'est le rouleau, hein. Trop de rouleaux pris. Mais c'est dur en même temps, des fois. Hein. On est pris en échec, on peut pas faire grand chose. Hein. Quand on est par terre, on roll, on se prend le rouleau d'un côté ou de l'autre. À la limite, il faut essayer d'attendre pour une get-up attaque, mais sur le roll timing, c'est compliqué. On part sur quel stage? Ça va se décider. Ça part sur un Smashville. Avec Enfant et Inkling, hein, ça risque de rester sur tous les stocks, les mêmes persos. Ah, et même pas la surprise. La surprise du chef dans sa claquette. Le chèque. Très rare qu'on voit des chèques, hein, parce que ce perso, évidemment, n'est pas plus répété pour être le meilleur. Mais on sait jamais. Il faut tenter, hein, on y va. Hein. Ah, pour l'instant, en tout cas, le combo s'annonce assez mal. 91% déjà, ça va très très vite. Hein. Wow, là, 125%. Ça va être dur à rattraper, 125%. Les vilains, un assez bon avantage, mais ce qui est bien avec Sheik, c'est que ce qui est assez spectaculaire, c'est les combos que ça fait. Plein de combos, on aime bien. C'est rapide, c'est fluide. Par contre, après, en termes de portée, malheureusement, on perd la portée qu'un Link enfant peut avoir. On gagne en rapidité. Et puis, le qui tue sur un down smash. Faye qui a un certain désavantage au niveau de la stock. Ouais, une stock qui est consommée. Ah, c'est dur, hein. Je crois que actuellement la chèque lui porte un peu préjudice. Et ça n'a pas tech, mais ça remonte, ça va. Les jabs. Attention, le rouleau, oui. Celle-là, je l'ai senti venir, le rouleau. Ça sentait la trappe au rouleau. Mais ça a été bloqué, c'est bien joué. Smash posé. Et ça n'a pas été tech, ça a bien joué, bien vu, c'est allé très très vite. 117% par contre, attention, ça peut aller très très vite. Un problème avec Sheik, c'est les... Un petit problème avec Sheik, c'est les dégâts mis, quoi. Beaucoup de coups donnés pour pas grand chose au final. Ouh, le smash, oh le smash qui tue de l'autre côté de l'arène, c'est triste. Une stock d'avance, ça va être dur, mais Faye, on l'a déjà vu faire des choses, ça s'appelle rattraper. Oh, ça passe. Oh, c'est très beau, je parlais de rattraper, et ça, c'est un rattrapage. Le reset phénoménal. Ah, il y va, est-ce qu'il va la chercher avec Sheik? Est-ce qu'il va chercher ce round avec Sheik? Le rouleau qui ne passe pas. Il commence à lire. Oh, il enchaîne son adversaire. Il ne sait plus où donner de la tête. La rapidité de Sheik, c'est son très grand point fort malgré les dégâts. Ça peut trap aussi. Dommage. Ouh, ça a voulu spike. Après, à ce pourcentage là et à cette hauteur là, ça n'aurait pas tué. Le rouleau qui ne passe pas. Ouh, l'explosion à ça près. Hein. Oh là là, c'est serré.
Oh non, la roll dans le smash, malheureusement. 2-0, c'était si bien rattrapé. Oh, il s'est battu dignement, c'était très beau. Ah, c'était vraiment bien rattrapé, mais malheureusement. De quoi? Je suis mal. J'ai pas prévu d'acheter. Quand je marche, je suis pas tout à fait de la faire. Quel dommage, pourtant c'était si beau. J'ai eu des émotions. Il m'a fait vivre une expérience incroyable. Ce rattrapage faire Donby, c'est une spéciale, c'est une masterclass. Putain, et malheureusement ça suffit pas. On est reparti sur des basiques. Un bon Link enfant, est-ce que ça va bien partir? Là c'est la dernière chance de Fire. Il faut gagner ce round, sinon c'est terminé. Bah, dommage d'avoir lâché à la fin. Oh là là, le double. J'ai cru qu'il allait mourir sur ça, ça aurait été dommage. Le rouleau. Il commence à voir les rouleaux venir. C'est agréable à voir. Qui va prendre la première stock? Ouah, c'est allé. Oh, c'était risqué, ça m'a fait très très peur. Ça aurait pu vraiment mal se passer. Ah, dommage. Ça a voulu rid, on l'a vu. Mais ça a eu le temps de shield à temps. Le smash qui n'est pas passé, ça a failli tuer. Ça a failli punir. Attention. Ouh, je sens le rouleau arriver là, je le sens malheureusement. Qu'est-ce qui va se passer? 146%. Qui va prendre le premier stock? Oh là là là, les frissons du combat! 147%, 132%. Qui va prendre le premier stock? Ça va donner peut-être un avantage ou un reset, on sait pas ce qui va se passer. Ça touche! Ça combo! Premier stock pris de la part de Faye! 140%, mais attention, le reset n'est pas loin! Mais là, on a l'avantage de la première stock, il faut commencer à se renchérir la rage. Profiter de la rage pour commencer à faire les dégâts. Ah non, malheureusement, ça a eu un peu peur et ça a pris une spot dodge en l'air. Enfin, pas une spot dodge, du coup. Donc ça a été bel et bien un reset. Ouais, l'esquive, bien joué. Ça combo. Ça met déjà à 58%, c'est pas mal. Oh, le rouleau, dommage, ça n'a pas été puni. Dommage, le smash. La tech et la roll qui est passée. Bien joué, il attendait ça. Je l'ai vu, le boomerang revenir, je n'attendais que ça. Ça tire, ça ne tue pas encore. 131%, beau pourcentage d'avance peut-être. Peut-être le prochain combo qui va set up un kill. Ah dommage, le rouleau. Ça n'a pas été fatalement puni. L'upstro qui ne tue pas malheureusement. La map est assez haute. Ouh, le smash, on l'a vu. Allez, ça tue sur un air. Evil va se transformer en gorille. Evil s'excite. Evil va casser la chaise. Back air. Oh, dommage. Oh, j'aurais bien aimé voir ça. L'aspirateur Dyson. Pas de perte d'aspiration. Allez, le hobby qui paye. Il aime bien les hobbies, le fail, parce que ça paye. Rouleau qui ne touche pas. Rouleau. Actuellement sur 102%, une stock complète d'avance, mais attention, ça peut vite partir à ce pourcentage là. Et oui, ça ne tue pas encore. Par contre, ça revient. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va mettre fin au match ou est-ce qu'il va y avoir? Est-ce que ça va mettre sur les dernières stocks? 124% contre 93%. Un combo peut-être qui met bien le faire et qui tue peut-être. Ça ne tue pas encore.
129. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être. Le prochain setup, peut-être. Ça ne tue pas encore. Il n'arrive pas à tuer. Ça ne tue pas encore. C'est la panique. Ah, le grab qui n'est pas passé. Ça tue, ça met sur le dernier stock 143%, allez. Allez, fais la pression. Que la pression ne t'attienne pas. Il faut y aller, il faut y aller. Oui. Non. Peut-être. Oui. Bien joué. 2-1. Minutes 51 la game, c'était long. Ciao ciao mec, à la prochaine. Salut salut, à la prochaine. Oh, ils me font mal au cœur, ils me font mal au cœur les deux là. Ça devient dur. Heureusement que je ne suis pas cardiaque, sinon je serais mort depuis longtemps. C'est une position assez dure pour Faye quand même, qui est toujours à 2-1. Et on rappelle que du coup, le moindre rang de gagné actuellement du côté des villes met fin au tournoi. La fin se joue à seulement un match. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Faye va faire la remontada du siècle? C'est fort possible. Parce que Faye a un don, Faye a un ultra instinct. Plus il est pour son pression, plus il nique des darons. Ah, le multi-hit, pas de multi-hit. Ah voilà, le multi-hit, on l'attendait, hein, on recouvre de bombes. Ah, ça aime bien, mais le B out of shield, hein, c'est très très bon, on aime bien. Hein. Ouh, ça grave, mais ça cancel sur un coup. Un trade assez avantageux pour Faye. Ah, le rouleau, malheureusement, bah oui, là c'était assez prévu. La roll, attention, hein, la roll in, c'était assez couillu. Ou le trade sur le père, attention. Oh, le smash qui n'est pas passé. Le neutral, le nerf, hein, qui a failli tuer, mais pas tout à fait. Oh là là. Ah non, ça ne tue pas, ça cancel. Attention, qu'est-ce qui se passe? C'est un smash. Avantage pour Faye sur la première stock, qu'est-ce qu'il va y avoir, un reset? Rien n'est sûr pour l'instant, déjà 13%. Et oui, oui, le trap, le fameux trap, ah, par contre ça touche, c'est presque un reset, c'est 13%. C'est tout comme... Ah, et le rouleau à l'envers. Attention au grab, ça peut finir, hein, le grab est un peu lent. Au niveau de la recover, faut être sûr de soi. Oh oh. Ah dommage, ça a mis que deux coups. Ah là 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 là. Ah non, double de rouleau. Attention, ne pas paniquer, il ne faut pas paniquer. Oh non, encore un rouleau malheureusement, je crois que ça tue. Aïe 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 aïe. La tourmente. Allez Faye, on y va. Attention, elle a beaucoup de pourcents, à 30% pris sur ça, ça fait très mal. Là, c'est un peu de l'impatience, malheureusement. La fatigue commence à se sentir, ça devient dur. D'être tout le temps concentré. Ah, la perfect shield qui n'est pas punie, il ne s'est rien passé.
Oh là là, 88%. Hein. Oh, ça n'a pas tech. Bien joué. Beau piège. 88% par contre, attention. Enfin, ça revient directement sur un fer. Est-ce qu'il va y avoir un comeback? Est-ce qu'il va y avoir un comeback? Rien n'est sûr. Par contre, attention à la bombe. 122%. Hein. Oh, c'est dur. Il me fait peur. Il me fait peur. Ah, ça tue, et non, malheureusement, ça tue sur un upper, et c'est bien joué. Evil qui gagne ce tournoi 3-1. Le tournoi se finit sur un 3-1. Evil, premier, Fay, deuxième, ainsi que Obujain, troisième. Et après, bon, je n'ai pas la mémoire. Le putain de upper. Je ne cite pas le quatrième, le cinquième, le sixième. Je ne sais pas noter tous les noms. Ouais, oh, ça va, il est minuit. Vous n'allez pas commencer à me casser les couilles non plus. C'est la fin de ce bracket, le Shield Stab 46 de la saison 2. C'était intense, c'était très très intense, il s'est passé de très belles choses, de très belles dingueries, surtout sur cette finale là. Alors vas-y, coupe, c'est pas grave, mais je suis en train de dire adieu. Je dis adieu aux viewers. Et il est temps donc de ranger, je vous dis adieu, à la semaine prochaine pour un nouveau Shield Stab normalement, il me semble. C'était Char, votre faux streamer préféré. Je vous dis à la prochaine et à la semaine prochaine.